À mon avis, on continue à être dans une situation économique très fragile. Je dirais que c'est plutôt une question philosophique. On cherche tout le temps un niveau de croissance positif, le plus positif possible, et on se trouve dans une situation où ça ne pourra plus durer éternellement, dû à la diminution des ressources disponibles sur la planète. Donc on est obligé de chercher une économie plus saine, une économie qui respecte plus l'individu, qui respecte plus la collectivité, et à mon avis, non, minimise un petit peu l'importance du capital et des bénéfices.